fait fi de mon joli zizoui que tu m'as pris. Bonjour, Nedel. Méchant, je te reconnais bien. Et moi, je ne veux pas vous écouter. En or que je t'ai donné, mon joli bracelet tout en or que je t'ai donné, il valait plus de 200 pistoles, où il y avait accroché une main, une guitare, une clé, une goyave, un sou, un petit poisson et 20 autres jolies choses qui font bonheur ensemble. Prends garde, j'ai prié dessus, oui, j'ai chanté dessus, j'ai dansé dessus et je l'ai arrosé avec le sang d'une poule noire, de sorte que c'est joliment bon pour moi. Mais celui qui me l'aura pris, ça le rend malade, il crève. Je suis content de m'en être débarrassé. Quoi ? C'est vrai ? Tu l'as vendu, mauvais chien ! Ne me la fais-tu pas, Tony ? Je te l'avais prêté. Tu disais que ça te porterait bonheur, méchant. Pour une certaine affaire que tu avais à faire en enfer. Cet argent que je t'ai pris, n'est-ce pas beaucoup plus cette étoile que j'ai été cueillir dans la montagne? Tu parles de cette pauvre jeune fille avec laquelle tu nous es arrivés l'autre jour, tous deux cachés dans le fond de cette charrette chargée de roseaux. Maintenant, la barque est prête. Ce soir, si le vent l'est aussi, nous ferons route vers le rivage latin. Et le bracelet que tu m'as pris ? Suis-le, attache-toi à moi, qui t'empêche de nous accompagner. Que veux-tu faire de cette pauvre jeune fille ? J'ai promis de lui donner le roi de Naples. Pourquoi pas? C'est une idée qui m'est venue tout à coup. Je suis sûr qu'il y a un roi à Naples. Je lui ai dit que le roi de Naples l'avait vu en songe. Il m'envoie fouiller le monde pour la Donia Music, à cause d'une guitare dont heureusement elle ne joue jamais. Son vrai nom est Donia Delus. Et personne ne s'est aperçu de son départ. On voulait la marier de force à une espèce de grand vilain toucheur de bœuf et du cuir, une mâchoire solennelle qui voulait son dégoût. Le pauvre petit cœur a dit qu'elle voulait aller dans un couvent du voisinage pour demander lumière et conseil. Et nous sommes partis pour demander lumière et conseil tous les deux sur le même cheval. On nous poursuit. On ne nous aura pas. Que vas-tu faire de cette pauvre jeune fille ? Crois-tu donc que je vais l'endommager ? Je mets ma porte à ses pieds dans le respect et l'attendrissement. Garde l'œil sur le chemin qui s'en va là-bas, jusqu'à ce qu'y apparaissent certains nuages de poussière, où brillent l'éclat des flammes et des citriers. Ah, quel beau métier que le mien, il ne me rapporterait nul gage que je n'en voudrais point dire. C'est la corde qui sera ton salaire, au grand vilain méchant. Jamais de corde pour moi. Je fais retraite dans le décor. Je ferme les yeux et aussitôt, il n'y a plus moyen de me distinguer d'un pied de grenadier.